de son discours, de l'état de la nation. Amis téléspectateurs, vous avez été nombreux, vous avez suivi ça avec nous en temps réel. Nous allons résumer avec toute la rédaction les grands points qu'a évoqué le président de la République. Mais je dois vous dire tout de suite, je suis en train de me dire quel discours, quel texte de maturité Joseph Kabila Kabange, le président de la République. Les Congolais l'appellent Raïs. Alors donc, il a répondu à toutes les préoccupations. Devais-je comprendre, devais-je répéter à mes téléspectateurs que le chef de l'État a été très honoré ici, mais il a été en amont, très attentif de la question congolaise. Et donc, il a répondu à toutes les questions. Ça, c'est un discours dans... s'il vous plaît. Chers collègues, vous venez de suivre le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'état de la nation. Je rappelle que conformément aux dispositions de l'article 77 de la Constitution, le message du Président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès ne donne lieu à aucun débat. Au nom de tous les membres du Congrès, nous remercions sincèrement Son Excellence Monsieur le Président de la République pour son adresse à la nation à travers la représentation nationale. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Et donc, amis téléspectateurs, je reviens à vous après que le Président du Sénat, est en train de mettre un terme à cette première.
de la République. De deux présidents de la représentation nationale et des membres du bureau du Congrès. Sûrement que les temps qu'ils saluent, le membre du bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat, l'oreille va descendre pour ressortir. Je crois que ce sera le moment fort. Tout la
maboko na bangusani ya oya samu insi na beto ya kwenda na ntua la pe beto kwenda na kupona mayande mbama ya kele mutindu ina ya cheleka fuma insi za bisakati intama mingi ve bake vondisa luyalu ya impa luyalu mingi penza kefukisa bakongole yosu kisika mosi kasikie kwa na bao ya kele batala mingi penza luzingu ya nkangu kangu kina mona pasi nkangu kina kwa misama ya mesuka vana ve pe kivuka ina ya impa kefondisa mabilumu kena kuiza basala yosu bavondisa teo batuadisa kuponama na mutundu mosi ya mbote ya cheleka ya kele samu ya mbote fuma insi meza bisabeto elisa bisaka tiki mfumba keba kaka yao na kingolongolo ve kimfumba keba kaka yao na minduki ve kimfumba keba kaka yao na ndembama pena kutisa bansiku hendi kena telemina baleke yae bakena nama na ba politisien bakena sala yusu samu na kutodisa mavuanga kasiba sabati yake vuandaka mutindu ina ve nantuka mfumwa insi kondwa kave kufutu samatondo na facilitateur tompovi ya kinzonzi buladia kambuta okistema tata pui na mamba simesa samu insi na beto ya kuenda na ntuala kasi ya kile mingi penta mba mambu beto mingila kabendo kasi nisa pisa kati samu na baleki tema mingi veya ndiki kibongisa luzingu ya baleki peyosu ke kuenda na mutindu mosi ya mbote muke pesa ndinga na mpangi na beto mami lela samu na batisangu na beto ya ndinga kikongo ndinga lingala. Attendez votre tour de commandant. Alors Zaki Kukuta, tout ce qu'on a maloba maïn comme on est écolo, à tout kokamata a obuso ya basale ni beto ba basanga na kate ngoma congrès. Bongo, mama likambo Zaki Pinzani. Mama ya likambo o pena et tout ingai po omoni amitika kimingi po ya kotala bilobaloba oyo population za ligi bongo kobwa kala ebo tutu na botala ka akoloba nini pe eloko nini ya sengeli koloba alobi akotika la bobele kotosa bobele mo mobeko likonzi ya ekolo poete na bilenge baye baba misoso la pamba te bokoki komitika te poete kibokonzi ezo mananzela ya makila to na nzela ya bitumba pe na lisusu oyo ngapa na mona ki penda te tuya eloko ya mutuya pendeza ki oyo ya mutuya alobi te maponomi maye mazali kolinga mapoete kala mingi te akopesa elembo poete a nomé premier ministre ministre mokonzi oyo akokumba masolo poete masolo mbango mapesa mala mingi penda na oyo etali bongo nzela ya bomoi bwa bato to na nzela ya social talaka esingo eye mingi babeti maboko pe bamonaki ya solo penda te lokumu ya mokolo mwalelo ekokisama mpo ya biso bai république démocratique du congo na botalaka bitumba zali kondongwa na kati ya batswa na babantu kuna na katanga eza na kasai central eza na pe bipaine bipai mpona ye epesi epasi ya mingi mpe omoni lolenge atelemisaki bato na monuti moko ya bopemi po ete baiyanola mpe bakanisa baye banso bakufa po ete manso batyama na nzela esi gode kabundi bandeko babiso babazwami au grand kasai babazali kolanda radio télévision nationale mpe bauti kolanda sika kambi ekolo zatu kabila kabange tatu ba mamu tuli ba jari kabwa seto afiki kundeke lo kwa ebibionse bitu mwakikala ba longolo lani mjari kabwa se mfumwa ditu nga Joseph Kabila Kabange mumana kwa kula mumu yuki wenda onsu ovoimu ikala mulongolo ditu kujalelo bana ba mwena kongo ba mwena kukala bita buja ni basanka ba nisho kabwa se bionsu kalabiakana walombi bwa se mianda yonsu ili ya se kunemeka mikenji mikulu ya ditu nga ya Congo Democratique ni masungula ajimikala minjila namna mshindu wa kwenzeka mjibubika la bikengejibwa mbwa se ditu nga ya Congo Democratique jimwona mshindu wa kwe kumpala mjibubika la bikengejibwa kukuma mengi pa merci beaucoup Gode Kabundi ami telespectateur c'est la fin de cette grande manifestation vous avez suivi un homme le président de la République. Il a eu le temps d'entendre, il a eu le temps de voir, il a eu le temps de constater. Aujourd'hui, je crois que tous les Congolais, chacun doit avoir eu sa part de réponse. Chacun doit avoir eu sa part de réponse par rapport à ses propres préoccupations. Nous avons été témoins de l'événement. Nous avons dit que c'était un discours de maturité politique, un discours d'anthologie, un discours qui a fait mousser tous les sénateurs et députés ici dans la grande salle de congrès. Je suis en train de vous dire, amis téléspectateurs, c'était beau.
Chacun des Congolais doit avoir reçu sa réponse. Nous saluons tous nos frères et sœurs de la diaspora qui nous ont suivis, ceux de la Suisse, nous ne manquons pas ceux de la Belgique, ceux de Luxembourg, nous disons ceux qui sont aux États-Unis, tous les autres qui suivaient justement les assises du dialogue, qui ont donné des réponses. Mais aujourd'hui, là, le chef de l'État vient de vous dire dans quelques temps, dans quelques instants, après qu'il ait mené toutes les démarches auprès de tous les Congolais de la scène politique, qu'ils entrent dans ce gouvernement, qu'ils signent l'accord, il s'est rendu compte qu'il est buté à des réticences et lui prend ça comme du retard pour que nous allions aux élections. Il va dans quelques jours signer l'arrêt, prendre un décret, prendre une ordonnance. Ce sera donc un nouveau Premier ministre qui a aussi pour mission le social. Tout en préparant les élections, le social sera au centre de ce nouveau gouvernement qui arrive. Attendons donc voir. Nous ne sommes pas dans l'indiscrétion du chef de l'État pour savoir qui sera Premier ministre le lendemain. Mais son gouvernement sera d'union nationale. Le président de la République a parlé ici de la jeunesse. Le jeune doit absolument s'impliquer parce que de nouveaux projets et programmes viennent dans quelques jours où les jeunes vont suffisamment s'intégrer là-dedans. Nous disons... La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo était au centre de la réunion du Conseil supérieur de la défense, présidée en début de semaine par le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale Joseph Kabila Kabange. L'évaluation de la situation sécuritaire, particulièrement celle relative à la traque des ADF à Beni et ses environs, a été examinée en vue d'envisager la possibilité d'envoi d'un renfort pour appuyer les éléments des FARDC au front, a indiqué le ministre de la Défense nationale, Crispin Atamatabe, à la sortie de cette réunion. La question de la formation militaire a été aussi évoquée au cours de cette rencontre. Tout évolue suffisamment bien aux différents centres d'entraînement et d'instruction militaire, notamment à Moba, Kamina, Kitona, a indiqué le ministre de la Défense nationale, soulignant qu'il s'agit d'une étape importante pour l'armée nationale, car on doit préparer de jeunes combattants appelés à appuyer les différentes unités déployées dans les zones de combat à travers le pays. Le Conseil supérieur de la défense d'aujourd'hui s'est penché sur deux points essentiellement. La première, c'est l'évaluation de la situation sécuritaire à l'est du pays. Plus précisément la traque organisée contre le groupe armé, essentiellement les ADF qui opèrent dans le territoire de Beni, et voir dans quelle mesure envisager une réorganisation, même les renforts, pour appuyer les militaires qui sont déjà au front. Le deuxième point porte sur la formation de nos militaires. Comme vous savez, les différents centres d'entraînement ou d'instruction, comme Moura, Kamina, Kitona, Roapara, la formation évolue suffisamment bien. Nous pensons que c'est une étape importante pour notre armée, pour avoir des jeunes gens qui doivent appuyer aussi les différentes unités qui sont en combat à l'est du pays. Il a revu quelques problèmes en ce qui concerne la situation politique du pays. Nous pensons que la police doit faire son travail proprement dans la protection de la population, humaine, protection de la population, qu'il y ait de concertation avec les partis politiques pour éviter les dérapages qu'on a connus le 19 et le 20 septembre dernier. Le président de la République a par ailleurs reçu le ministre sud-soudanais de la Défense, Kouol Manyang Juk, porteur d'un message du président Salva Kiir et entré notamment à la coopération bilatérale entre Djouba et Kinshasa et à la restauration de la sécurité le long de la frontière commune entre la RDC et le Soudan du Sud. La République démocratique du Congo et le Kenya entretiennent d'excellentes relations de coopération bilatérale et d'amitié entre leurs deux chefs d'État et leurs peuples respectifs. Déclaration du vice-président kenyan William Ruto,
qui est venu exprimer le soutien de son pays aux efforts déployés par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour la paix et la stabilité de la RDC. L'homme d'État kenyan qu'accompagnait la ministre kenyane des Affaires étrangères, Amina Mohamed, a appelé les acteurs politiques congolais à s'impliquer dans les efforts de consolidation de la paix. Les citoyens congolais sont les seuls gestionnaires des questions qui touchent leur pays, a indiqué en substance le vice-président du Kenya. Comme vous le savez, la République du Kenya et la République démocratique du Congo entretiennent de très bonnes relations, d'abord entre nos deux chefs d'État et entre nos deux gouvernements. Et nous avons une très grande variété de sujets qui nous sont vraiment importants entre les deux peuples, le peuple de la RDC et le peuple du Kenya. Voilà, le Kenya soutient la paix et la stabilité en RDC. Voilà pourquoi il apparaît important que nous puissions soutenir les efforts du président de la République dans cette matière. Et nous pensons qu'il est important que tout le monde, que toutes les parties prenantes pour participer à cet effort collectif visant, n'est-ce pas, à stabiliser et à promouvoir la paix en RDC. Voilà, au Kenya, nous pensons que le problème de Congolais, le problème, la gestion des problèmes de Congolais, c'est d'abord la seule responsabilité des citoyens congolais. Et en fait, le pas qui a été fait, l'accord auquel ils sont parvenus, ça constitue en fait une grande étape en vue de pouvoir consolider la paix et la stabilité de la RDC. Nous avons également discuté de la gestion de l'Union africaine. Et comme vous le êtes au courant, son Excellence Amina candidate. For the chair of the pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. That became part of the discussion. Et cela a également fait partie de nos discussions et de consultations que nous venons d'avoir avec le président Kabila. Une délégation de 15 ambassadeurs de pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est entretenue ce samedi 12 novembre 2016 au Palais des Nations avec le président de la République, Joseph Kabila Kabange. La sécurité dans l'est de la RDC a été au centre de préoccupation, ainsi que la situation politique marquée par l'accord global issu du dialogue national, considéré comme la base du processus pour une transition et des élections apaisées. L'ambassadeur Ismaël Obrao, représentant permanent d'Angola aux Nations Unies, s'est félicité des échanges profonds au cours de cette entrevue. Je pense qu'on a fait bien le tour sur toutes les questions de politique, pour mieux cerner, mieux comprendre quelle est la feuille de route, comment on va, avec le Conseil et la RDC, franchir le point qu'il faut pour ramener la stabilité politique à ces grands pays. Alors, je dois dire que l'entretien et toutes les questions qui ont été posées par le membre du Conseil ont été bien répondues, bien éclaircies. Le Conseil a parlé à une voix et je pense que nous sommes resserrés dans cette unité de pensée de comment regarder la RDC à partir de New York. Et tout ce que je peux dire, c'est que la feuille de route est là. L'implementation va commencer, c'est-à-dire la mise à point, n'est-ce pas, va être menée à bien et ça nous a rassurés davantage. L'accord qui a été signé, c'est une base, une bonne base, il faut bâtir. Et qui doit bâtir? Le peuple congolais, avec ses dirigeants et tout son peuple. Mais bâtir, cela veut dire ne pas détruire. Bâtir, cela veut dire ne pas semer le chaos dans un pays qui ne peut plus vivre avec des situations du passé chaotiques. Il faut aller vers les élections, il faut aller vers la reconstruction de ces grands pays. L'ambassadeur de France, François Delattre, a abondé dans le même sens, mettant l'accent sur les dispositions qui doivent être prises pour une transition pacifique et des élections apaisées en RDC. Notre mission, très naturellement, s'articule autour de deux volets principaux. Le premier volet, c'est la situation politique, où le Conseil est venu porteur d'un message de soutien
à la République démocratique du Congo et au peuple congolais, porteur d'un message aussi qui est un appel à la responsabilité de l'ensemble des acteurs de ce grand pays, ami de la France et ami des membres du Conseil de sécurité. Nous avons tous été profondément émus par les événements tragiques des 19 et 20 septembre 2016 qui ont endeuillé ce pays sans distinction d'appartenance politique. Les Congolais de tous bords, c'est ça l'appel du Conseil de sécurité, doivent s'unir pour à la fois rejeter la violence et privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Pour cela, le dialogue est plus que jamais la voie privilégiée pour surmonter les différends que j'évoquais. Le processus électoral doit pouvoir se tenir dans un climat pacifique, dans un esprit de consensus qui rassemble l'ensemble des forces politiques congolaises. Comme tu l'as dit, l'accord du 18 octobre a été une étape en ce sens. Et les discussions doivent pouvoir se poursuivre dans un cadre large, inclusif, afin d'atteindre un consensus large sur un calendrier électoral précis, accompagné de mesures de confiance, mesures importantes dont nous avons également parlé. L'entretien que nous venons d'avoir avec le président Kabila a été particulièrement approfondi et particulièrement important. Bientôt l'élection des nouveaux directeurs généraux de l'Organisation mondiale de la santé. Les candidats battent campagne. Le conseiller spécial du Premier ministre de l'Éthiopie et ministre honoraire de la santé a été reçu par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Docteur Tedros Adhanom est candidat au poste du directeur général de l'OMS. J'ai rencontré son Excellence, Monsieur le Président Kabila. Nous avons abordé plusieurs problèmes ensemble. Un des problèmes dont nous avons discuté est ma candidature au poste de directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. La RDC a décidé de me soutenir et elle m'a assuré qu'elle va continuer à soutenir cette candidature. Autre sujet sur lequel nous avons parlé, il s'agit de ma capacité en tant que conseiller spécial auprès du Premier ministre. Il a concerné des généralités, notamment sur le Soudan du Sud et les défis qui l'attendent. On a parlé de l'ouverture, même de la rouverture d'une ambassade à Kinshasa. Comme vous le savez, nous avons une longue et historique amitié et nous avons aussi une ambassade depuis 1992. Il est intéressé de rouvrir cette ambassade ici même à Kinshasa. Le président m'a dit qu'il va tout faire pour soutenir cette rouverture de l'ambassade. Ensuite, nous avons évoqué d'autres préoccupations, brièvement la situation de la RDC, de l'Éthiopie et du Conseil de sécurité de l'ONU, et même le passage de l'Éthiopie en janvier au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons parlé de comment l'Éthiopie, en sa qualité de membre de ce conseil, peut réellement travailler en faveur des intérêts de l'Afrique. Alors, c'était un bon échange. Mais avant la rencontre avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, je me suis entretenu hier avec le ministre de la Santé et celui des Affaires étrangères. Et les échanges étaient très fructueux.